Alors, bonsoir. Je ne vous vois pas, hein. Je ne vous vois pas. Il y a un souci? Il y a un souci. Comment ça se fait que je ne vous vois pas? Connectez-vous, 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 connectez-vous. Je vais baisser le volume. Non, il y a même les gens ici. Je ne vous vois pas. Il y a seulement quelqu'un qui est déjà venu écrire. Merci d'avoir écrit et merci de te dire au revoir et je te bannis. Voilà. On vous connaît. C'est votre comme ça. On vous connaît maintenant. Quand ça vous et passe, vous venez écrire. Karel Mpek, tu n'as pas honte. Tu oses dire, tu oses tenir ce discours-là. Karel Mpek, tu n'as pas honte. Tu oses tenir ce discours que tu tiens là. Donc, quand ça vous dépasse, l'enfant, s'il ne veut pas qu'on écoute sa musique, quand ça vous dépasse, vous menacez. En cas de pornographie, de ma... Quand ça vous dépasse, vous... C'est quelqu'un qui l'a envoyé. Il y a des enfants qu'on ne touche pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Oh. Mais il m'a volé, mais il m'a volé. J'avais fait la capture d'écran de ça exprès. On connaît votre mode opératoire. Hein? Tout pour vous, rien pour les autres. C'est pour ça qu'on vous vomit. C'est pour ça qu'on vous vomit un peu. Hein? On vous vomit en fait. Sans adversaire, vous êtes qui? Sans adversaire, vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Mieux avoir des adversaires. C'est quand on entend les gens me dire que, oh, Élise, elle te dépasse. Oh, sorry. Qui me dépasse? Elle me dépasse. Moi, Bissot. Femme qui me dépasse, je n'ai pas encore vu. Elle me dépasse. Et Ngwe. Ngwe. Vous menacez les gens. Oh wow.
Vous menacez les gens. Je vais d'abord vous dire que mon administrateur est au restaurant. Mon administrateur Fa est au restaurant. Celle avec qui je travaille sur ma page. Donc, je vous prierai de partager massivement, s'il vous plaît. Partagez massivement. Toi qui viens écrire que Élise, si on te demande, j'insulte parce que quelqu'un a pris la sérologie d'une dame qui ne lui a rien fait, qui s'est confiée à elle et a mis dehors. Point. D'accord? Il y a des limites. Il y a des limites. Tu sais que ça, les clashs m'ont appris à me laver, à me. Mais ma chérie, Yvette, toi-même, dans ta vie de tous les jours, on a une vie. Tu crois que se mettre bien pour venir faire un live, ça peut dépasser qui? Ça ne peut dépasser personne. Mais on a voulu être naturel. On a voulu montrer aux gens que ne vous fiez pas aux apparences. Mais là, certains ont dit que non, si tu n'es pas bien maquillé, si tu n'es pas bien habillé, tu ne réponds pas aux stéréotypes. Alors, on fait comme ça. On fait comme ça. Qu'est-ce que tu appelles habillement? Qu'est-ce que tu appelles maquillé? J'ignore ça. Ducambino vient de faire un poste comme quoi ils vont tout signaler les pages. De quoi avez-vous peur? Vous signalez nos pages, on boycotte la soirée. Capitaine, vous signalez nos pages, on boycotte la soirée. Jusque-là, on respecte le gagne-pain. Vous signalez nos pages. On boycotte la soirée. Essayez d'essayer. On boycotte. Vous avez signalé la page de Nicole Ketcha. OK. Signalez la mienne. On va boycotter la soirée. Qui a gagné, qui a perdu? Moi, je suis assise ici, en Bretagne. Je suis assise en Bretagne. Signalez ma page. On va boycotter. Est-ce que vous entendez tous? Le ton est lancé, non? Vous avez entendu, non? Le ton est lancé qu'on va signaler les pages. On va boycotter la soirée. Qu'on aime ou on n'aime pas. Qu'on ait de la panty ou pas. À la guerre. Comme à la guerre. Vous avez compris? On signale les pages des sympathisants et sympathisantes de Mama Perpé. On met le boycott de la soirée et ça ne choque pas. Il y a d'autres soirées, on ira là-bas. Vous avez compris? C'est bien. Vaut mieux que tout le monde comprenne. On va taper où il faut. On va taper où il faut. On signale ma page ici. On signale la page de Nicole Ketcha. Vous avez dit que vous pouvez, non? Vous ne pouvez pas, pourquoi? On va. Moi alors, quand je m'assois, je n'ai pas pour habitude de boycotter le gagne-pain des gens. Franchement, pour vous dire vrai. Ça ne fait pas partie de mes habitudes. Je respecte le travail des gens qui veulent gagner leur petit pain, qui veulent faire quelque chose de concret de leur vie, qui veulent s'en sortir. Mais là, voilà ma page signalée. J'en ai encore d'autres que j'ai créées avec mon équipe. J'ai créé avec mon équipe jusqu'à. Et je vais faire du sale. Ngoué de Lille, Flore de Lille.
je n'ai jamais boycotté des choses. Parce que je me dis que tu te bats. Je me dis que tu te bats. Que ma page s'y soit signalée. À chouette. 3 fois 100 sur ma tête. Dis à tes gens qui signalent. Je vais voir quelle est la femme, la fille de la forêt, la femme étant digne de son nom. Je dis, pas les pètes-pètes souffreteuses. Hein. Je te parle de celles qui sont prêtes, celles qui sont soudaines, celles que tu connais, qui vont venir à ta soirée. Signale. Signale ma page. Parce que maintenant, vous voulez faire comme si on veut signaler ta page. Non, on ne veut pas signaler ton truc. On ne veut même pas boycotter. Depuis là, on te parle par rapport à ta sortie d'avoir publié la maman de Nicole Kétia. Nous, on s'arrête là. Ta soirée, on s'emballe les cahuètes. Ta soirée, on s'emballe les cahuètes jusqu'à présent. Mais moi, je te dis que si c'est moi, hein, ma page, sache que les gens ne t'aiment pas. Les gens ne t'aiment pas. Ils veulent que tu tapes poteau. Ceux qui veulent faire ça à ton nom, veulent que tu tapes poteau. Tu connais comment ça fonctionne Facebook, non? Tu connais comment fonctionne Facebook, non? Ceux qui viennent dire que ils vont signaler leur page. Parce qu'on te dit que ce que tu as fait n'est pas bien. Sache qu'ils ne t'aiment pas. On veut te faire taper poteau. Et ça va marcher. Nous sommes en juin. Hein? Juillet, août, septembre. Juin, juillet, août, octobre. Novembre. Ce sont eux qui veulent... Tu crois que tu as les décrateurs seulement les gens comme nous? Hein, mamie? Tu vois que comme moi, Élise, j'ai mis la caméra, là, je suis un détracteur de toi. Non. Ce sont les gens qui viennent écrire, comme tu as vu là. Ils sont tes détracteurs. La première fois, j'ai fait la pub de ta soirée. Mais je ne suis pas sûre. Alors, lui, où ça va là? On va voir. Yuriyami, non. C'est Jean-Paul, c'est qui? Avec tout le respect que je lui dois. Petit pays, c'était petit pays, hein, le Tchibo d'Afrique. Imiter, jamais égalé. Imiter, jamais égalé. Vous êtes en train de partager. Faut que vous partagez. Vous voyez qu'à peine on commence, on vient nous menacer. On menace qui, moi? On me menace. Est-ce que Fleur de Lille a fait la rue? Fleur de Lille, tu as fait la rue. Est-ce que tu as fait la rue? Tu n'as pas fait la rue. Laissez. Est-ce que Fleur de Lille, tu as fait la rue? Tu n'as pas fait la rue. Tu as fait les gares routières. Tu as fait les gares, la gare de Lille. Est-ce que tu as fait la rue? Je ne connais pas ce que c'est que fait la rue en Bénin. Il faut demander, hein? À demander, à trouver. Partagez, mes gens. Tu as fait la rue. Tu n'as pas fait la rue. Tu dis avoir fait la rue. Pour bluffer les villageois et les villageoises. Tu n'as pas fait la rue. Tu as fait un coin de la rue. Mais tu n'as pas fait la rue. Méfie-toi. Où tu me vois là? Je suis plus connu 1 milliard de fois plus que toi. Où tu me vois? Je cherche une chanson. Je vais jouer une chanson là qui me plaît. On va d'abord laisser les gens qui veulent. Vous voulez affaiblir. Oh, si tu parles, machin. Je suis d'abord habillée comme une veuve. Je suis habillée comme une veuve. Partagez, mes gens, partagez.
Mireille, Mireille, bonsoir, ma soeur bio d'amour. Bonsoir. Corinne, Mireille Hardy, bonsoir. Je vais d'abord gagner un peu de temps pour vous dire bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir, mes soeurs, bonsoir, mes frères. Bonsoir. Je vais aller sur YouTube. Le trouver. Je vais aller sur YouTube. Didier. Je vais aller sur YouTube. Je vais le trouver là. Ah, voilà. Ah, je l'ai trouvé. Le filtre, c'est la magie. Vous économisez en moyenne 212 euros par an. Il a la pub. Florence Eba, ma petite soeur chérie d'amour. Bonsoir. N'oubliez pas qu'on a un challenge. On a un challenge. J'arrive. Nous avons un challenge à mettre en place. N'oubliez pas qu'on a un challenge. Thank you.
promets ça. Le challenge aussi, il est bon. Le challenge aussi, non. On va tous. C'est le challenge. Eh, Atara. Eh, Atara. Le père de la police. La bouffeuse des pertes. Oh, yo. L'angouet de l'île. Oh, yo. Attendez, on remet. Je redanse une fois avant de recommencer. Zambo va le mal.
Non, le challenge est lancé. Maman a God, maman a Lélé, maman a suceuse de l'as, maman qui adore les pètes jaunes. Hein? Oui, même si on a deux personnes en ligne, c'est bien. D'accord? 500 personnes, c'est trop. 500 personnes, c'est même trop. Non, nous on veut nos lives comme d'habitude. On veut le nombre comme d'habitude. 500, tu dis que 500, c'est trop. C'est trop, 500. 500, c'est trop. 500 personnes, c'est trop. Nous, on veut même deux vues. On a habitué avec nos deux vues. Donc, si tu as vu 500, tu as trop vu. D'accord? Tu sais, Mami Mboma, sans vouloir te vexer, oui ou non, parce que c'est trop dit. Tout à l'heure, j'ai pris mon verre. Nous sommes samedi soir. Hein. C'est ici que ça se passe. J'ai mon DJ qui est là. On va péter le coin. On va danser le challenge. Maman a placali. A placa debout, debout. A placa. Nicole, qui es-tu? À placa debout, à placa assis, à placa taper, taper, brûler, brûler. Vous savez, au bout d'un moment, moi je dis toujours que ma chien, ma mboma, ma lécheuse de bête blanche, écoute-moi très bien. Je sais que tu m'écoutes. Contrairement à ce que tes mouches à merde peuvent penser, je sais que tu es quand même une femme assez intelligente parce que je sais que tu m'écoutes. Et je vais m'adresser à toi. On t'a amené, j'en fais partie, hein. Je me suis fait insulter pour ça. Je t'ai amené vers le haut. Je te redescends vers le bas puisque tu le demandes. D'accord. Quand on touche déjà aux mamans africaines, peu importe sa tribu, peu importe d'où elle vient, quand on touche déjà aux mamans camerounaises, on dit stop. Tu as eu ta guerre avec Petit Maléba. Tous les coups étaient permis. On ne refuse pas. Mais là, tu pousses le bouchon. Tu pousses le bouchon trop long et je dis non. C'est pour ça que tu vois que je suis derrière toi. Parce que je ne veux pas que cette bêtise se répète. La maman de Nicole Ketcha ne t'a rien fait. Même le voice là, elle ne se confiait pas à toi. On l'a compris au fur et à mesure. Mais tu l'as utilisé parce qu'on t'a envoyé. Vous avez pour habitude, parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, d'aller vous attaquer aux esprits faibles, nos parents, nos amis, nos frères, nos sœurs qui sont en Afrique. Nous savons tous ce que c'est que le Cameroun actuellement. Même ceux qui ont un peu ont du mal. Alors imaginez ceux qui n'ont rien. Je vais te dire comment se passe la sérologie du VIH au Cameroun. Dieu merci, il y a encore... on a quand même des psychologues. On a beau tout dire, on a beau tout faire. On a des psychologues qui prennent en charge des personnes qu'on découvre qu'ils ont le VIH. Qui leur dit qu'il faut accepter, c'est une maladie, voilà. Il suffit de suivre très bien son traitement et ne pas faire de tout et n'importe quoi. Ma, que le filtre a fait quoi? Quoi, mon filtre fait quoi? Parce que j'ai mis le filtre. Pardon, ne me dérangez pas. Je choisis quel filtre je mets. J'aurais pu mettre le filtre où je suis blanche là. Jaja la belle, bonsoir. Corinne Mirène, bonsoir. Bonsoir. J'aurais pu mettre le filtre que vous connaissez qui me rend blanche là, mais bon, j'ai voulu un filtre un peu qui me nature. On va venir. Laissez celle qui parle
Voilà, laissez, on va venir. Je vais te dire une chose. Attendez, même, je dépose un peu. Il y a un message qui m'a intéressé là. Toi qui viens demander, tu parles de mon mari. Mon mari travaille. Il a un très beau métier. Je suis le prototype des femmes que les Camerounais devraient avoir. Une femme qui soutient son mari dans toutes les épreuves. Une femme qui aide son mari à avoir les papiers. Oui, vous croyez quoi? Vous dites que je suis camionneuse, non? On ne peut pas faire le camion et donner les papiers à son homme. Nous sommes en France. Je parle pour ceux qui sont intelligents. C'est une parenthèse, hein? Après je reviens sur vous. Je parle pour ceux qui sont intelligents et j'en profite pour donner les conseils à mes chères soeurs et à mes chers frères. Sachez que quand votre compagnon arrive, il faut que vous ayez un boulot. Que vous ayez un travail. Si vous n'avez pas, si vous vivez du social, vous ne pouvez pas donner des papiers à votre compagnon ou votre compagne. J'en profite par rapport au message que j'ai lu là. Vous donner deux, trois. Vous savez que je donne aussi des conseils. Hein? Vous me connaissez comme ça d'ailleurs. On ne peut pas prendre un immigré sans papier qui arrive en Europe comme ça, qui n'a rien, et on part demander des papiers à la préfecture. La préfecture va vous dire non. Si vous n'avez pas de situation, si vous n'avez pas de travail, si vous n'avez pas de revenus, si vous n'avez pas de fiche de paye, votre compagnon ou votre compagne n'aura jamais les papiers. Ne vous fiez pas aux histoires de Facebook. J'ai donné les papiers à mon mari. Et je ne suis pas française. Je suis camerounaise, résidente française. Ici, je réside en France. C'est une petite parenthèse. Hein? Après, on va continuer. Parce qu'il faut que les gens qui vous vendent le rêve arrêtent de vous vendre le rêve. J'ai donné les papiers à mon mari. D'accord? Toi, Joseph Zé Ateba, tu viens me dire, pas du tout, il faut travailler 12 bulletins de paye. Oui, ma mère, tu dis qu'il faut travailler 12 bulletins de paye. Pour avoir 12 bulletins de paye, il faut quoi? Il faut travailler. Tu crois que tu vas aller imprimer les faux bulletins de paye? Non, mes soeurs, bosser. Pourquoi votre mari ait une situation, il faut que vous travaillez. À la préfecture, on demande que votre femme fait quoi? Elle dit du social, d'accord. Donc, elle veut vous donner des papiers pour que vous vivez du social. Ça ne peut pas marcher. C'est comme ça. Oui, ma grande soeur, j'ai compris. Il faut laisser... Voilà les gens qui vendent le faux rêve aux gens. Vous voulez me salir, je m'emballe les caouettes. Vous ne connaissez pas ma vie. Vous m'avez même empêché de donner des conseils par rapport à mon parcours avec mon mari. Aux jeunes Camerounais, aux Camerounais ou aux Camerounaises. Qui veulent avoir des papiers, qui veulent faire venir leurs compagnons et leurs compagnes. On vous connaît. Moi, j'ai bossé, je bosse. On ne pouvait pas donner les papiers à mon mari si je ne travaille pas en France. Je le dis en haute éligible voix. Si je ne travaille, si tu ne travailles pas, on ne donne pas les papiers à ton compagnon ou ton mari. Il faut bosser. Il faut fournir une stabilité de vie. Il faut que tu fasses comprendre à la préfecture que pendant que tu cherches les papiers à ton mari, que tu subviens à ses besoins. Donc vous, qui parlez de moi, camionneuse, oui, et qui n'a pas en passé, je me suis rangée pour le bien-être de mon mari. Je lui ai donné les papiers et je ne suis pas française. J'ai bossé pour que l'État français l'accepte. J'ai bossé pour que l'État français lui donne les papiers. J'ai bossé pour qu'il trouve un job. Et il a un des meilleurs des jobs. Parce qu'il m'a écouté. Il a marché dans la bonne voie. Il a compris que j'étais une femme qui lui voulait du bien. D'accord, c'était une parenthèse. Donc vous là, quand vous faites venir vos femmes, vos hommes,
Il n'y a pas que le piment dans la vie. Les imbéciles comme Goué de Lille pourraient vous dire que qu'il faut vendre le piment pour donner les papiers. Non, le piment n'est pas reconnu officiellement comme job, en France en tout cas. On ne connaît pas ça ici, que c'est un travail. Travailler. Donc, c'est pour ça que quand on me dit, on me salit, on me dit, je m'emballe. Qui a vu? Ce sont les autres, on a vu. On a vu. D'accord. J'ai donné les papiers à mon mari et je ne suis pas française. Capiche? Donc, toi, Ngoué de Lille, tu as fait venir ta mère. Ta maman est entrée dans le faux. Si tu es française, pourtant, tu as les papiers. Moi, je ne suis pas française. Tu as les papiers français. Ta mère est entrée en Europe, en Occident, dans le faux. Nous connaissons la femme qui a fait les faux papiers pour que ta maman entre ici. Tu veux qu'on aborde le sujet. Quand je te vois, tu veux parler à Nicole Kétia, sa mère. C'est Nicole Kétia qui te caresse. Nicole Kétia, je vais te dire une chose. Si tu continues à caresser Ngoué de Lille, on te lâche. Kétia, si tu continues à caresser Fleur de Lille, on te lâche. Nous ne serons plus avec toi. Parce que nous ne voulons pas que tu nous utilises. C'est de ta mère qu'on parle qu'elle a le sida. Fleur de Lille, quand elle met sa caméra, elle tape sec. Sans pitié, no pitié. Si toi, tu continues à la caresser comme on voit là, on te lâche. Parce que la seule personne qui me préoccupe au fond, c'est Perpétue Maléba, ce n'est pas toi. Toi, je te supporte. Parce que tu es une petite sœur. Mais si tu continues à faire semblant, moi, je n'aime pas qu'on joue le dochi dans ma tête. Si tu continues à faire semblant, tu vas aller gérer avec elle. Elle t'aurait mis plus bas que telle. René Bioto l'a dit tout à l'heure qu'avec les spécimens comme Goué de Lille, il faut taper sec. Il ne faut pas avoir pitié. On vient, on dit que ta mère a le sida devant le monde entier. Des milliers de personnes qui regardent. Tu te contentes de caricaturer. Je t'ai dit, je m'adresse à vous. Si Nicole Kétia continue comme elle veut faire là, on la lâche. C'est ça et pas autrement. Et on ne met plus un centime dans son litige. Tu ne peux pas faire que les gens, les femmes, tout le monde sont en train de te soutenir. Que tu rigoles. Tu rigoles avec qui? Tu rigoles avec une sorcière. Kalamongo tapiné. Kalamongo tapiné aussi. Moi, je traite Fleur de Lille quand je veux, où je veux. Fleur de Lille, elle même sait que je suis ton médicament. Fleur sait que je suis son médicament. J'empathie quand il le faut. Et je dis stop quand il le faut. Voilà une femme qui arrive ici, à l'Occident, par ses voies qu'elle est venue. C'est à cause d'elle que les femmes quittent les foyers au pays pour devenir des lesbiennes. Moi, j'en connais ici. Hein. Kepat Mbinda, vos femmes au pays. Mon mari n'est pas là. Il est en mission. Mon mari est sorti. Je te trouve où? Je te trouve où? Vos femmes, à cause de la libération de Ngoué de Lille qu'elle a donnée aux enfants, aux femmes africaines, aux femmes camerounaises. Jade, quand tu dis que Ngoué me dépasse, je parle de moi, je parle pas des autres. Fleur de Lille me dépasse avec quoi? Elle est propriétaire en Europe. Non. Mon cœur, tu peux m'imprimer. Nous sommes là depuis 2 ans. Un peu plus. Imprime-moi les relevés de versement de nos du loyer. Flo me dépasse avec quoi? Cette chienne peut me dépasser. Voilà, mon mari mange, il vient d'arriver. Il a trouvé que j'avais cuisiné. Mon cœur, tu finis. Imprime-moi les relevés des loyers.
Je les montre. Flore ne fait que faire bluffer les villageoises du pays. Flore, pour ne pas dire Ngoué, port de l'île, ne peut pas faire bluffer les femmes d'Europe. Nous qui vivons en Europe, Flore, c'est la dernière des dernières. Même celles qui sont arrivées derrière elle. Même celles qui sont arrivées derrière elle sont mille fois mieux que Flore de Lille. Arrêtez de. Flore, c'est une menteuse pro max. Il faut être d'abord mal en soi. Attends un peu, je te bloque d'abord. Je bloque d'abord la personne parce qu'elle me trouble mon live. Nous vivons en Europe. Vous êtes des villageois qui êtes au pays. Flore n'a même pas un logement social. Même un logement social qu'on donne aux gens. On ne donne pas un job, hein. Il faut remplir les critères. Flore a beau avoir le passeport bordeaux. Où est le passeport là? Le bordeaux là. Ok, donne-moi le bordeaux là. Elle a beau avoir un passeport bordeaux. Si elle ne remplit pas les critères, on ne lui donne rien. Flore vit dans un logement privé où elle paye plein caisse. Puisque l'État français ne reconnaît pas sa mère en tant que sa mère. Elle paye. C'est pour ça qu'elle a besoin de vous. Qu'elle a besoin que vous l'aidez. Qu'elle a besoin que d'inventer des histoires pour que vous allez mettre sur les litiges. Flore peut dépasser qui? Il y a des femmes ici dehors où Flore, quand les femmes passent, elle la boucle. Parce que même avoir l'HLM, logement social, ici en Bénin, il faut des critères. Pourquoi on ne donne pas un logement social à Flore? On se base juste là. Je ne lui demande pas d'être propriétaire. J'avais déjà demandé à Flore d'être propriétaire en Europe avant de dire qu'elle me dépasse. Elle va passer par où? Ce n'est jamais sa maison. Ce n'est jamais sa maison. Vous avez vu une telle maison, quelqu'un construit ça en moins d'un an en vivant en Europe, en voyant comment elle monte et descend là. Sauf si, même le Nkou, non, même le Nkou, même si elle transporte le Nkou, ce n'est pas chez elle. Ce n'est pas sa maison. C'est pour vous dire à quel point le spécimen n'est pas bien dans sa tête. Ce n'est pas chez elle. Moi, je ne peux pas me lever, aller braquer la caméra dans une maison au pays. Je dis que voilà ma maison. Soit elle est en complicité avec la vraie propriétaire ou le vrai propriétaire et elle joue le jeu. Mais regardez alors, il faut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas ça en place. On a vu coach Amon Chic payer sa maison, aller chez les notaires, les what? Sorry. Les blancs signer sa maison, l'acquisition de sa maison. Nous tous, on a vu que cette chienne, cette imbécile qu'on dit qu'elle dépasse l'île, qu'elle achète aussi, on voit. Elle est blogueuse, une blogueuse qui n'a même pas 250 000 abonnés. Tu n'as pas 250 000 abonnés depuis que tu es là. Tu n'as pas 1 million d'abonnés. Les petites filles arrivent hier. Ont des millions d'abonnés. Toi, une ancienne couroum, tu as pour CV destruction. Vous savez que si Flore pouvait me détruire, elle l'aurait fait. Si Flore pouvait me détruire, elle l'aurait fait. Mais elle est arrivée chez moi. Le karma existe. Hein? Je l'ai déroulé le tapis rouge. Reine Mère Bio. Bonsoir, ma reine mère. Voilà une dame que Flore a voulu détruire. Reine Mébio, toute la toile, nous te donnons raison. Parce qu'on voit pour un petit truc comment Flore veut détruire la vie d'une petite fille. Reine Mébio, nous te donnons raison. Ceux qui ont douté de toi, nous te donnons raison. Tu as combattu le bon combat. Moi, Flore est venue chez moi. Ça ne vous dit rien qu'elle arrive, elle ne peut pas dire, elle ne peut... Flore connaît les vrais papiers de titre foncier de mec. J'ai montré ça ici.
Flore ne me dépasse pas. J'avais même dit à Flore que si maman en a assez de gens, genre, louche-moi. Tu laisses là-bas avec les gens qui vont s'occuper d'elle ou bien tranquille. Flore dépasse qui? Flore, c'est la dernière. La dernière des réseaux sociaux camerounais. C'est la dernière. C'est la dernière. Elle est venue chez moi. Vous croyez que si elle avait quelque chose de moi, elle ne m'aurait pas encore abattu. Elle m'aurait déjà abattu depuis que je la lave, que je la rince. Flore n'aime pas ça. Hein? Elle m'aurait déjà abattu. Hein? Elle n'a rien. Elle est arrivée chez moi, elle a déroulé le tapis rouge, on l'a reçu et tout. Je l'ai remboursé, ces petits maigres, petits agents qu'elle a donnés devant vous là. Je lui ai dit, pardon, on lui renvoie ça. D'accord. Elle dépasse qui? Sa rivale, c'est Maléba Perpétue. Mais comme Maléba Perpétue ne veut plus la gérer, elle va gérer les petites filles comme Nicole. Elle va gérer les petites filles comme Nicole. D'accord. Moi, je n'ai pas faim. Mes factures de pension payées en temps et en heure, par prélèvement. Elle est venue ici, elle a dit qu'elle est. On a porté son sac. Reine Mebio en fait partie. On a dit que Reine Mebio, quand tu disais que oui, j'ai voulu la changer parce que j'ai vu que les gens disaient que c'était une prostituée, c'était une ceci, cela. Tu es venu vous dire que tu veux sauver ta yam sœur. Parce qu'à la base, c'est ça. Parce que tu es venu sauver ta yam sœur. Tu as oublié que putain, un jour, plus toujours. Putain, un jour, plus toujours. Hmm? Tu t'es brûlé les doigts, Reine Mebio. Tu le regrettes, hein? Maintenant, elle veut te flatter. Viens à ma soirée. Reine Mebio, j'espère. J'espère qu'un jour, si un jour, tu dois vraiment te remettre avec Mouré de Lille, demande-lui de demander pardon en public. Parce que humiliation publique, pardon public, ne fais pas comme les autres. S'il te plaît, ne fais pas comme les autres. Je te pardonne, mon ex-père. Je te pardonne, mon ex-mère. Non. Humiliation publique. Pardon public. Elle te veut. Elle te veut, non. Qu'elle te demande pardon en public. C'est pour ça que j'avais dit à Jago à voter son mari que vraiment, le charisme, c'est quelque chose. Hein. Finalement, je te donne raison, Reine Mebio. Tu as été la seule face à Ngoué. Tu as été la seule face à Ngoué où tu as tenu. Maman, Reine Mebio, tu es une conteneur d'un gars. Après là, on n'a vu personne. Tu as vu comment se comporte Compresseur, non? Tu as vu comment se comporte Compresseur, non? Compresseur se comporte exactement comme toi, mais sans clasher. Sans rentrer dans la boue, évidemment, et bien évidemment. Quand tu parlais ici, tu jacassais ici, les gens te prenaient pour une folle. Reine Mebio, tu as tenu tête. Tu as pris ton pied, tu as posé sur son cou. Aujourd'hui, j'espère que tu es fier. Nous sommes fiers de toi. Il faut qu'on te donne cet honneur-là. Que les internautes, avec le maigre nombre de personnes, on dit que j'ai deux vues, j'accepte. Il y a plus de 500 personnes qui me regardent. J'accepte mes deux vues. Mais tu as été, tu peux être fier de toi, Reine Mebio. Tu as tenu, parce que quand tu racontais ta genèse, les gens ne comprenaient pas.
Quand tu t'es entêté, même moi, je t'ai dit, au début, je comprenais, après l'acharnement, je t'ai dit, oh, bon, bah, elle peut laisser. Mais j'ai compris qu'il y va de ton honneur, il y va de l'honneur de ta famille. Mais on voit ça. On a vu ça. On a vu ça chez Amot et sa femme. Merci pour la tête de mort ici. Allez, dégage. On a vu ça chez Amot et sa femme. C'est où on a vu qu'il y a personne et personne. Prends mes beautés là, envoie-moi les cœurs et envoie-moi les étoiles. Parce que comme tu es arrivé là, je vais bifurquer dans mon direct pour remettre un peu quelque chose, quelques deux, trois trucs en place. Et tu sais que moi, on m'écoute. Je veux remettre des débriefs en place pour que les gens sachent que tu n'as pas fait un mauvais combat. Quand on te voit ce que tu as suivi avec ta famille et tes enfants, Reine Mébio, on voit ce que Amot et Jaguar Amot ont suivi dans leur vie. On se dit que c'est le même schéma. Tu as tenu bon. Jaguar Amot et son mari, pourquoi ils ont flanché? Ils nous ont montré que ce sont des gens faibles. Mais Reine Mébio, après, avant toi, c'est toi. Après toi, c'est toujours toi. Face Angoué. Je dis que face Angoué, avant toi, c'est toi. Après toi, c'est toujours toi. Parce que toi, tu nous montres devant le monde que tu n'as pas fait un mauvais combat. L'humiliation a des limites. On ne peut pas t'humilier. Et parce que quelqu'un prononce ton nom lors d'un live, tu dis, ok, j'accepte mon ex-belle-fille. Maman, je pouvais tuer un mot de ce jour-là, Jacob. Ce jour-là, les gens, je pouvais tuer Jaguar et tuer Amot à cause d'une petite phrase. La dignité, l'honneur, le charisme. J'ai eu des gens de Paris. Moi, j'ai des gens à Paris. J'ai eu des gens à Paris que même à Paris, on leur a dit que c'est quoi? Quelqu'un vous fait ça? À Paris, on m'appelait Robinson. Oh, Elise. Les gars ne m'appelaient pas à Paris, je ne vis pas à Paris. Mais nous, on est à Paris, on te supporte. Parce qu'on a juste prononcé leur nom. Là, dans le live. Reine Mébio, même toi, quand elle t'a tendu la perche, je t'attendais comme ça là. Je disais que dans même Reine Mébio va me décevoir. Oh, Nathalie Babal. On a commencé à t'appeler Nathalie Babal. C'est comme si tu... Façon que la femme s'y a défendu son honneur, elle veut repartir là-bas sans un pardon public. Le pardon public, c'est quelque chose. Pardon. Reine Mébio. Le pardon public, c'est quelque chose. Ne fais pas comme Amot et sa femme. Les rieneux, là. La honte de la diaspora. Française, bien évidemment. J'ai vu ça, j'ai dit que Amot est un écran. Un vrai guerrier. Et dans les écrans, il y a déjà trop de femmes. Femmelettes. Façon que j'ai bombé ma poitrine ici. Quelqu'un ne peut pas vous faire du mal sans vous demander un pardon. Injure public, pardon public. Donc, Reine Mébio, comment il te fait les appels de balle là? Tiens bon. On s'en fout des vues. Nous, on a les deux vues, nous. Toi et moi, on a deux vues. Le pardon est d'or. La personne qui dit que les cils de ça, non, c'est le filtre. J'ai fait ça, j'ai les cils,
je fais ça, je peux me faire comme ça, les signes arrivent ici. Ah oui, imbécile. Je peux me faire ça. Les signes partent par là, ils partent par là, idiote. Idiote. N'accepte pas. Elle fait les actes à la cour, elle fait les actes à la trou. N'accepte pas. C'est vrai qu'il dit que les cils, je ne mets jamais les cils, j'aime pas ça. C'est très rare, voilà. Regarde, attends, je te montre. Voilà les cils du filtre. Je fais ça. Attends, je fais comment? Oh, ma reine Mebio va intervenir. Ouh, la seule et l'unique. J'accepterai Mebio. On te donne. J'espère que ça ne va pas couper. Prends reine Mebio. Bonjour, oh, ma reine. Voilà. Ma Guanmandumba. Guanmandumba. Je suis Guanmandumba. Tu es Guanmandumba. 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 Comment ça va, ma chérie? Oh, oui. On t'écoute. Oui, j'ai écouté ton message. Tu sais, Dieu, comme je dis toujours, le mensonge, c'est l'ascenseur, la vérité, l'escalier. Et les gens comme toi et moi qui avons des maigres vues, c'est-à-dire que la probabilité pour que notre information se diffuse ou se propage à la vitesse de l'éclair est lente et va lentement, sûrement et bien. Ceux qui ont beaucoup de vues, comme ils disent, entre guillemets, eux, directement, ça se diffuse directement, croient que c'est vrai. On essaye de rendre vrai, et on multiplie les infos partout, Twitter, Instagram, partout. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui sont sans personnalité, mais qui sont championnes de faire des posts. Je me souviens que quand je suis allée à Paris et que j'ai vu Compressor au salon, à l'hôtel Napolitain, c'était ça, Napoléon, sur les Champs-Élysées, à l'affaire de l'événement de Gutabos. La période là, le Prési hypocrite, excuse-moi, hein, je vais l'appeler Prési hypocrite parce qu'il est très hypocrite à mon goût. Le Prési hypocrite a fait un post à cette époque-là où il parlait de dignité. Les gens ont rattaché ce post à moi parce qu'il est très champion pour faire des petits posts qui font comme si il fait des phrases de conciliateur, de dignité, de homme qui peut, homme fort, homme loi, homme qui ne parle pas, homme ceci. Mais il a aussi le côté vraiment enfantin, le côté où il fléchit très très vite. Je ne sais pas si c'est la quête de notoriété ou si c'est pour avoir le sentiment de dire qu'on a donné un clin d'œil ou faire bouger la toile ou le buzz. Moi, j'ai rien compris sur ce virement de situation par rapport à son ex-future fille. Bon, son ex-future fille, même à ça, sa femme au président avait dit que non, moi, jamais, même s'ils font comment, jamais, mais c'est elle qui dit, ma Juju. Donc, nous, on est assis par terre. Comment on connaît comment les choses de Ngoï se passent? Moi, j'ai aucun doute, aucun... C'est-à-dire que je sais que c'est une question de temps. Elle va encore nous ramener notre rebelote de quelque chose, une histoire qu'elle va déconstruire et construire de toutes pièces. Elle va venir nous déposer ça comme sur un plateau de... Vous voyez alors. On est déjà habitués. Nous avons vu comment elle a quitté sur Nicole. Si Nicole avait le sida, il y a 72 heures ou il y a une semaine qu'elle était sur elle a commencé avec le sida. Mais comme, soi-disant, c'est les odieux de la mère, encore faut-il que ce soit elle qui déclare le sida, elle est venue avec. Maintenant, quand chemin faisant, comme elle est championne de la manipulation, elle a dit, si on collait aussi le sida à Nicole, il fallait maintenant créer des nouveaux odieux et sortir le petit frère qui perd le petit frère et qui peut ne pas l'être. Donc, je vais dire, tout ce jeu-là, c'est comme ça qu'elle le perd. Elle peut créer une histoire sur ta vie et ta famille. Elle la rend plausible et vraie et les gens croient sur une période X. C'est-à-dire que le genre que tu peux passer toute ta vie même à démentir et tu vis ce bain avec ça. C'est comme la gangrène, elle te colle ça au corps. Mais Dieu nous inspire aussi dans tout ce bloc. Parce que moi aussi, j'ai des noms que j'ai de nos gens, c'est calé. Comme Chin Chin, elle est devenue Chin Chin Pantalon pour de bon. J'ai même Nicole, c'est moi qui ai donné Boub Kena, c'est calé. Madoka, j'avais donné Mal au Fumbo, c'est calé. Elle-même, Ngoï, elle est calée sur elle, avait Ngoï Satan et tout, mais sinon, j'avais donné même d'autres noms avant. Donc, je vais dire, lentement, sûrement, et eh bien, les gens aussi ont leur petit truc qui donne et ça cale pareil. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on a les maigres vues Élise, on est quand même suivi, on est quand même entendu par l'élite, par la crème. Quelqu'un peut s'asseoir, écouter un direct pendant 2 heures sans avoir besoin de baisser le volume parce qu'il entend des personnes qui parlent et que ça a un sens. Voilà. Moi, je soutiens Nicole. Pourquoi? Je soutiens Nicole parce que je n'aime pas les foutaises. Chaque maman est sacrée. Toi, tu es la maman de tes enfants avec qui tu étais au parc aujourd'hui.
Si je me lève, je t'insulte, je t'harcèle, je te scie, je fais du mal à tes enfants. Ça veut dire que quand ton fils va venir, tu parles à ma mère. Et s'il est déjà grand, il me trouve, il va même me taper. Il y a des enfants qui cherchent les gens pour les taper parce qu'ils sont, ils s'en ont pris, ils se sont pris à leur maman. C'est parce que chaque maman est bien pour son enfant et est sacrée. C'est pas parce qu'elle a 90 ans comme Anna Grenga, qu'on ne doit pas parler d'elle, mais celle de 52 comme moi, on doit parler. Ça ne veut rien dire. Maman égale maman. À partir du moment où l'enfant est là et que ça doit lui faire mal, ce que vous êtes en train de dire de la mère, ça veut dire que vous attaquez déjà la mère de quelqu'un. Ne faites pas que c'est parce que c'est ta mère, on ne doit pas lui dire, mais si c'est la mère de l'autre, tu verses parce que ta mère. Non, il n'y a pas une mère qui est privilégiée plus que les autres. Moi, j'ai vu le président hypocrite. J'ai aussi vu Monsieur Mesmes faire ce genre de choses. Quand on se lève, on fait un poste pour faire la talakou de la mère d'Ongoye. Pour faire genre, oh maman, ceci. J'ai aussi vu, bon, j'ai dit au président, quand il a donné les cadres photos, que va visiter la mère à la maison. Elle veut la visite de sa mère, elle veut qu'on prépare la nourriture, elle veut donner à la mère, on prend les boissons, on met, comme elle est garde malade, pendant qu'elle s'occupe d'elle, elle boit. Tu vois un peu, voilà son genre de truc. Tout s'arrête toujours aux petites choses qu'on va donner. Donc moi, pour chuter, je vais dire, je te remercie déjà de ce clin d'œil que tu m'envoies, parce que je suis que tu fais partie des gens qui n'étaient même pas d'accord de mon acharnement, mais je savais que j'étais incomprise. Et comme je savais que j'étais incompris, je me suis dit, je m'arrête pas sur ce que les gens disent. Il est un fait, je suis attaqué. Mon honneur, mon intégrité, ma dignité, celle de ma famille. Je vais jamais pour rien au monde laisser les gens bafouer ça. C'est mon cadavre qui va l'accepter. Advienne que pourra. Et le advienne que pourra, c'était que tout le monde sache, oh, tu exagères, oh, Flore, tu dépasses. Oh, chacun sortait partout, chacun Là, faisait ma des vie, choses. je fais partie. Je sais qu'au bout d'un temps, en certains moments, je t'ai dit que je Exactement. m'arrête. Exactement, exactement. Et j'ai eu toutes les injures, mais comme je savais que je n'ai rien personnellement contre elle, c'est normal, c'est juste, ils appellent ça aide-moi à détester ou bien un ras-le-bol de mes sorties. Parce que j'expliquais, mais peut-être je n'expliquais pas bien, peut-être la personne ne prenait pas le temps de s'arrêter et m'écouter. Mais la somme des bêtises que Flore a posées, Magina Kenkam Kulia, ça a prouvé le monde entier à su, alors qu'effectivement, le problème, c'est elle, ce n'est même pas ses victimes. Vous voyez? Et aujourd'hui, elle sait bien, elle joue très bien. C'est le jeu de la manipulation, c'est son affaire. Elle est bonne là-dedans. Mais compressant, bizarrement, et là, franchement, je la salue. Si on peut m'envoyer des cœurs pour le diamant bleu, c'est tout si elle a joué la carte de la femme au-dessus des femmes, de la femme digne, la femme sage, la femme avertie. Donc, elle a plutôt nettoyé la photo qu'on était en train de casser. Elle a plutôt, c'est-à-dire qu'on dirait qu'elle fait, franchement, elle est bien entourée. Franchement, Thierry, là, l'amoureux, le toquet porte, là, papa. Non, Le tout aussi, hein, vous êtes vraiment en mais train de faire le compressant, elle est travail. très bien entourée en ce Vous moment. Hein. êtes C'est en train de pas faire le des gens bon qui sont travail. derrière elle qui Oui, continuent leur franchement, job. Hein. j'ai la chair de poule parce que Non, quand non. moi, si on casse ma photo, je confirme, je vais, tu écrases ma Mais photo, j'écrase pour Reine toujours. Mabiot, tu es un peu aussi impulsive comme moi. Parce que Oui. si c'est toi qu'on avait cassé la poisson Mon comme ça, Dieu, tu aurais je dis quand tu monté écrases ma photo, crescendo. je Hein. boue pour Tu toi, aurais je monté brûle, je découpe. crescendo. Mais oui, C'est je vrai. découpe, j'assaisonne, je brûle, je mets la poteau, je mets tout, je mets au feu, je boue même. On fait tout ça ensemble. Pour dire quoi? Pour dire que le timing est important. Là où quelqu'un veut se rendre, parce que compresseur veut se rendre quelque part. Et elle a démarré son ascension vers là où elle va aller. Et elle a l'entourage qui va avec. Et puis sa fille, Nicole, qui était aussi la fille de Ngoï, aujourd'hui, est victime. Nicole n'est pas quelqu'une qui allait de même. Nicole nous a lavé. C'est même toi, Élise, Nicole s'est levée sur nous tous ici. J'ignore quoi. C'est pas parce que je ne Oui, parle pas de ça. c'est C'est ça, parce voilà. que si moi, Reine Mabio, si moi je parle de ça, je quitte derrière Nicole. C'est ça. Exactement. Mais le Donc je plus, c'est prends quoi? C'est sur que moi et je ne parle pas de ça. au mirage et la façon que Ngoï est entrée sur cette jeune femme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter sur les réseaux parce que on veut assainir la toile camerounaise. On veut aussi que chacun évolue. Non, si je vais voir Élise Ngolyobokolo, c'est une, comment on appelle, une mafo des Monzang, c'est une reine-mère là-bas. On peut aussi, on regarde, ah C'est bonjour, vrai, on hein? passe, chacun fait ses Allez, choses. good. Voilà. Dans sa communauté, voilà, c'est tout. Et puis, mais au jour d'aujourd'hui, Ngoï est tombé plus bas que terre. Plus bas que terre. Moi, je préférais encore son clash avec le président. Je préférais encore son clash avec moi, avec Pépé, avec ses pantalons, tout le monde. Je préférais versus ce qu'elle a Reine, je ne fait. te coupe pas. Je ne te Oui. coupe pas. Oui. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si ta maman vit ou si elle est décédée. En tout cas, la mienne, elle est décédée. Ils sont déjà venus insulter ma mère, ta mère. Où, moi, elle dort dans la tombe. Je lui ai donné une belle, très belle pierre tombale et j'en suis fière. C'est le devoir de tout un parent. Quand. Ce qui se passe. Ce qui se passe là, c'est le fait que les Camerounais n'acceptent pas qu'on vienne
publié la sérologie d'une maman camerounaise dans les réseaux sociaux. Tu Tout es à fait. camerounaise, je suis camerounaise, ils sont camerounais, elles sont camerounaises. On a l'habitude de nous insulter, de nous traiter. Les Camerounais prennent ça un peu à la rigolade, tu vois. Mais au bout d'un certain temps, toucher à une maman qui vit au Cameroun, vit sur nos terres, nous savons comment c'est chez nous. Oui, Rien n'est bio. C'est pas avec facile. la C'est pas la misère même existe en prise en Chine. charge. Oui. La rire, les rires, les moqueries, Oui. tout. C'est pour ça que tu Oui. vois que tout le monde se lève pour faire comprendre à Angoué Exactement, Limite que non. exactement, Non, exactement. beaucoup, mais ça non. C'est une maman, c'est ta mère, c'est ma mère, c'est ta mère toi-même, même si les nôtres sont décédés. Mais c'est Oui, une maman exactement. C'est une maman et camerounaise elle ne et on mérite pas n'accepte ça. pas ça. En plus, quand elle s'est confiée, elle a bien dit, ne m'amène pas sur Facebook. Elle a aussi Voilà. dit, je prends mes calciums. Elle a aussi dit, je ne cherche plus les hommes. Donc, elle est en train de se ranger. Elle fait sa petite vie. Elle te parle et toi, tu viens déposer. Franchement, Flore n'a pas assuré. Moi, je ne sais pas comment ses fans ou ses abeilles ou ses moucherons la font, mais franchement, elle n'a pas assuré sur On ce refuse coup-là. ça. Si ce n'est pas la maman de Nicole Kétia, ce sera qui demain? C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que maman Anada a bouffé aussi sa part de Djangui. Moi, je disais seulement Anan Grenga. Seulement le mot Grenga, il pouvait mourir. Je n'avais rien dit d'autre. Seulement Anan Grenga. Moi, ma belle-mère, sa dépouille, lavée, séchée, rincée ici. Ma mère, qu'est-ce qu'on n'a pas insulté sur moi ici, sur Meta? Mais c'est pas grave, parce qu'à la fin de la journée, tu te dis, qu'est-ce que ça change dans ma vie, en fait? Mais Flore, tu as dérangé. Et le tout aussi, c'est le monde entier. C'est-à-dire que c'est toute la toile camerounaise qui n'est pas d'accord avec toi. Tu as qu'une minute. Jusqu'à ce que j'ai lu quelque part que du cadavre dit qu'il va signaler toutes les pages qui font les directs contre Flore. Je dis, mais ils sont malades. Quand Flore se connecte, qui la signale? Personne. C'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté que vous faites. Laissez les gens s'exprimer. Laissez les gens s'exprimer. Peut-être vous n'avez pas assez de cran, vous n'avez pas assez de maturité, de jugeote pour mieux développer quelque chose. Quand on vous écoute, c'est un peu comme on baille, on commence à dormir même. Mais ce n'est pas de notre C'est faute. du Ben, vous camion, venez tu peut-être dis vous ça. exciter. Oui, il m'a Mais dit ça. J'ai envoyé la capture. Jean, allons signaler toutes les pages du Cambido. Il se prend même déjà pour qui se dit là. Je te dis, Si c'est un lèche-cul, c'est un on lèche-cul. doit signaler tout Allons le monde signaler dès cet les fans instant. de la reine Mère Bio. Vous qui m'aimez, mais moi, Jean, tout le monde multiculturel que vous m'aimez. Et autres, derrière Nicole Kétia, derrière la famille camerounaise, stop, allons. On va signaler Voilà. ces pages. Il dit qu'il va Il doit signaler perdre au tout. moins 3 pages. Il dit qu'il a fini avec Nicole. Donc tu sens que sûrement c'est lui qui a signalé la page de Nicole parce qu'il dit qu'il vient de finir avec Nicole. Mais ça, c'est la lâcheté. Il est Une personne méchant. sans esprit. Et vous voyez Oui, qu'un sans. gars comme ça, on va le traiter. Un de mes Camboy. violences, on va le traiter. Quand Boy se connaît, qui s'en va la signaler, Boy parle tout ce qu'elle parle et tout, ben, quelqu'un ne la calcule pas. C'est à faire des signalements. Elle Ce qu'on va parle, seulement elle te s'habille signaler. même en décolleté. Moi, on m'a signalé ici que j'ai mis en décolleté. Ils sont partis mettre pornographique. J'ai Wanda. Tu vois. Vraiment de Dieu. Et Dorcas supporte les conneries, pourtant, ces mêmes sorciers Cette appuyées la nouvelle-là, signalent. dis donc, qu'on parle Allez, des c'est vraies Dorcas. Vous femmes. savez que Mais Dorcas, Reine elle, Mébio, ne lui. quitte pas, hein? Je prends la femme. Ne quitte pas, Reine Mébio. Qu'on parle des vraies femmes, épargne-moi Dorcas. Dorcas, c'est Non. qui à côté de toi? Ah, Tu veux il va parler te lever de le qui? commentaire. Ah. Crash, 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 comme tu as prononcé son nom, là, crash vite. Dorcas, c'est qui? Une Ok, c'est bon, pleureuse. je ne parle même pas. Parle de qui? Dorcas, il y a Dorcas Aneminga. Quand je pense qu'on l'a épousé. Dorcas, tu vas quitter le mariage. C'est ça qui est ça. Ça ne choque pas. Mais te fait quitter le mariage, là, tu ne mérites pas. Nous, on n'est pas des lâches. La femme Oh voulait intervenir. Comment ça se fait que la dis-lui femme. de sortir Ah, et de venir entrer à partir de ta page. C'est la dommage. Qui déclare femme sort, tu que tu reviens. reviens à partir de la page d'Élise. Tu vas. Dorcas, je Pardon. te connais lâche. Tu n'es pas le genre de femme que je peux m'attarder sur elle. Je ne peux pas m'attarder sur toi, Dorcas. Tu dis que tu es américaine, une affamée. Veux les likes. Tu veux les... Madame Bianco, Mireille Bianco ne te donne plus les étoiles. Elle m'a donné 5 000 étoiles, c'est 60 000 francs, c'est pas mouf. C'est elle que tu veux te nourrir. Ne lui donnez plus rien. Donc, tu parles, tu peux aussi parler devant les vrais gens. Voilà Reine Mévio, la reine du Canada, celle qui a combattu, on a vu. On l'a même traité de folle.
Oui, folle. Moi, Hé, hey, maman, que je j'étais ne folle quand parle j'ai su pas pour les déjà. autres. Moi, je ne parle pas pour les autres, je parle pour moi. Et t'es dit. Elle dit que, oh, elle est folle. J'ai dit que vous n'avez encore rien. Je veux m'asseoir sur une voyage jusqu'à. Elle m'a mis ma photo l'autre jour sur sa page. On dit qu'elle essaie de. J'ai dit zéro macabo. Même dans les rêves, je la Elle poursuis. ne fait la part avec toi. Non, Afam est ça. là, reine mes bio, ton petit Oui, frère Afam. Oui, là. Afam. Le médicament de Ducambindo, le putois est là. Le remède. Le remède de Ducambindo, le putois. Le blogueur camerounais le plus sale, le plus crasseux. Il a dit 15 ans qu'elle de mange main. des pages. Elle mange 15 ans des de pages. main. Il a la carie dentaire. Expliquez-moi comment quelqu'un peut faire 15 ans en main. Il a la carie dentaire. Il Voilà. insulte les femmes qui le dépassent. Il insulte les mamans qui ont des permis de conduire. Il n'a pas le CPE, il n'a pas le BEPC. Je m'arrête là. Il parle aux gens qui le dépassent de très loin. Donc, bonsoir, 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 bonsoir à tout le Bonsoir, monde. femme, comment C'est tu à vas? femme, Qui t'es? le haut-parleur. Le Oui. haut-parleur est là. Ah, femme, c'est toi qui es c'est toi qui es la page haut-parleur. Oui, c'est moi qui ai vrai du Cambino, le On va putois. aller s'abonner Il entend ma là-bas. voix. Oh Il mon entend Dieu. ma voix, il devient malade. Ah ouais. Ah Alors ouais. moi, je suis monté ici pour dire à Nicole Kecha et à sa team d'organiser aussi des groupes de signalement. C'est tout. Voilà, vous savez que moi, je ne suis pas dans une team. Donc, si Nicole Kecha est dans ce live, constitue ta team et crée des groupes de signalement. Donc, faites la même chose, Oui. appliquez la même chose qui Tant vous qu'on y se applique, en tout cas. connecte, vous parlez, vous signalez aussi en bloc. Voilà. Moi, j'ai peut-être même 5 pages. Donc, vous signalez, vous ne signalez pas. Quand elle me lève, je suis content que j'ai bien gnasse. Je commence à faire le travail. Framponne, ça ne chauffe pas. Voilà. Comme ça Oui, que il a ça signalé, fonctionne. il dit qu'il a signalé, il a fini avec la page de Nicole. C'est lui Non, qui mais a est-ce que tout c'est fini vrai? d'un C'est les coup. C'est conneries. C'est pour se méchant. donner C'est les. C'est méchant. pas... Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Les mes bio. C'est les On conneries. va Afam et Oui. Reine Mebi, on n'est plus à ce stade-là où on signale les pages des gens. N'importe C'était quoi. avant. N'importe On n'est quoi. plus à ce stade-là. Les Camerounais veulent nous entendre nous exprimer. On n'est plus à ce stade-là qu'on va signaler pour Quand on n'est embêter pas l'autre. rationnel, j'espère que vous n'avez pas oublié. Il ne faut pas appliquer la rationalité dans le mbrakata. C'est Hein? ça, l'umbrakata, c'est irrationnel. Chacun, ça sort comme ça entre. Là, vouloir appliquer la rationalité dans le mbrakata, c'est avoir un problème mental. Il y a beaucoup de situations qu'on ne peut pas t'expliquer. Expliquez-moi comment quelqu'un peut devenir abeille du jour au lendemain. Comme tu dis que tu veux appliquer la rationalité. Qu'est-ce qui arrive à Dorcas? S'il faut être logique, s'il faut être rationnel, s'il faut suivre, du moins aller dans ton L'humanisme est sens. irrationnel, ça sort comme ça sort. Explique alors, explique, je veux aussi écouter. Tu veux Non, que, non, en vas-y, tout cas, avant que Reine Mebio nous donne son avis, moi je me permets. Hein. Reine Mebio, à vas-y. femme, je me permets. Oui, vas-y, ma Oui. belle. Qu'est-ce qui arrive à Madokas? Dorcas, c'est une dame qu'on connaît depuis. Je ne veux pas rentrer où ça va nous faire de la zizanie, vous et moi. Dorcas aime le fric. Dorcas aime où ça paye. Dorcas, ça fait le tour. Ça a payé, ça a payé, ça a payé. Elle a vu que face à Nicole, elle ne va rien gagner. Parce que Nicole, c'est une coma. C'est une qu'on veut aider comme ça. C'est la première fois. Je pense que c'est la première fois que Nicole fait un litchi, non? Si je ne me trompe pas. La première fois. Voilà. C'est la première fois que Nicole fait un litchi. C'est Merci, la à première femme. fois. Et que il faut dire que les gens qui vivent en Amérique, j'enlève notre star, Maïté. Maïté, c'est une femme qui travaille dans le Parlement américain. Quand on prend Dorcas, c'est les femmes qui ont au moins 10 boulots en Amérique pour s'en sortir, sans vouloir le penser. Elle arrive ici, elle est là pour son gain. Quand vous voyez Dorcas, Dorcas va où elle gagne. Malheureusement, elle arrive chez Ngoué de Lille. Les abeilles, les vrais, je ne parle pas des villageois des pays, du pays, les vrais qui soutenaient, vraiment qui donnaient pour lui faire changer de vie, ne sont plus là. Elles en ont eu marre. Moi, Moi, je suis je parti. suis sur Ngoué de Lille depuis 3 jours.
Quand je vois les réponses, les trucs en dehors de Mini Anus qui est revenu, j'ai dit, hey, Mini Anus encore au moins là, J'ai dit que quelqu'un qui vit au moins en Beng et j'ai en dit Oum. Le reste, ce sont les villageois qui vont les seulement Mini ni Anus. Vazout, c'est ni Vazout là. J'ai dit. Donc, tu as laissé tomber une jeune fille qui t'a montré. Moi, j'ai la dépouille de ta mère. Je montre que je ne montre pas à femme. Non, 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 il ne faut pas jouer, il ne faut pas entrer dans ce jeu-là. J'ai la dépouille de ta maman. Non, ne montre pas, ce n'est pas nécessaire. Non, non, il faut je ne laisser. peux même pas montrer. Je n'ai jamais fait ça depuis que je suis à Facebook. J'ai mes litiges. On peut me traiter de tous les noms d'oiseaux dans Facebook, mais j'ai toujours respecté la parentalité dont nos parents et nos aïeux. J'ai la dépouille de ta maman ici. Et Nicole Ketcha, elle sort le voice Ungwe de l'île, demande que va couper. Ils avaient déjà. Mais ils voulaient qu'elle soit le leitmotiv. Ouais. Parce qu'il voulait qu'elle soit le laf motif. J'ai ici, vous voyez ça, comment la maman de Dorcas s'est couchée comme ça. J'ai dit que hey, c'est toujours fait. C'est là. Dans mon téléphone. Nous-mêmes, on a tous nos jambes. Rémi, bien, tu as tes jambes. Afam, tu as tes jambes. Oui. Quand on cherche à gauche, on cherche à droite. Ça tombe même sur ton téléphone. On dit que fais ce que tu veux avec. Les gens en ouais, ils disent que fais ce que tu veux avec à toi d'être face à ta conscience. Ouais. Comme Kangwe a eu le voice de la. Parce que comme Kangwe a eu le voice, les voices où la maman de Nicole qui a dit qu'elle est pas, elle est mal en point. Ouais. Beaucoup de gens ont le voice. Mais personne n'a choisi mouiller parce que ça concernait une maman. Ouais. C'est ta mère, ta femme. C'est la maman, ça peut être aussi la maman de Reine Mébio, ça peut être ma mère. Exactement. Mais moi, je dis, je me connais. J'ai un cœur grand, mais il peut très vite se raccourcir si ça avait été ma mère. Moi, j'avais dit à toute ma famille que celui qui vient sur les réseaux, ça l'engage. Je ne vais non pas, je vais même encore aller donner les secrets pour qu'on te lave. Je ne veux voir personne dans Facebook. C'est pour ça que vous avez vu qu'une de mes sorties, je me suis agressée à la maman de Nicole Ketcha. Arrête de vendre ta fille. Parce que où nous sommes tous là. Oui, tu lui as dit ça. Nous voulons aussi que... Moi, je suis déjà Mouraouaou. Reine Mébio, on ne parle pas de la femme, c'est un faux profil. Reine Mébio, je suis déjà Mouraouaou. Ceux qui te connaissent dans la famille viennent s'afficher sur les réseaux, c'est à ses risques et périls. C'est ça. C'est comme ça. Il y avait du bien que vous venez assumer. Je vais même encore aller donner pour qu'on vous détruise encore plus. Arrivant à un moment, je me suis dit que non. Cette maman n'a rien demandé. C'est une maman en détresse. Vous-même, vous savez, avoir une telle maladie. Tu es là, tu es rejeté, ta fille est partie, Nicole avait pris la route, elle est venue se chercher, Dieu merci. Elle est arrivée, j'ai reproché à la maman de Nicole que tu n'as pas laissé le temps à ta fille. Même nous-mêmes qui sommes arrivés avec les visas, il y a beaucoup qui sont arrivés avec les visas, et si le blanc t'a dit que dégage, le visa est truqué, tu deviens sans papier du jour au lendemain. Tu n'as pas marché à pied, tu es venu avec un visa. C'est quoi? Ouais, Denis, c'est quoi sur la maman de Nicole Ketcha? C'est quoi? C'est sur une maman camerounaise. C'est ce qu'on demande du blog camerounais. Cette maman-là, t'as fait quoi? Elle n'a rien fait. Non à la publication de la maman. Parce que toi-même, ta maman, j'ai entendu beaucoup de choses. Je t'ai dit que méfie-toi. Le jour que tu bouges chez toi, je sais que toi tu me dis. Le jour que tu bouges chez toi, le jour que tu bouges chez toi, on aura les publications de ta mère. C'est moi qui te dis, je s'appelle la deuxième fois que je te dis. Les gens sont prêts. On ne peut pas accepter. Tu vois les gens comme ma femme, tu vois les. Bon, Reine Mébio, on connaît. La femme n'est pas du genre à prendre parti pris facilement.
Mais je pense que la femme, c'est un monsieur qui n'aime pas qu'on mélange les gens âgés, les mamans, les enfants dans autre chose. Ah, la femme, je te donne la parole. Non, mais nous sommes tous unanimes là-dessus que les parents, les enfants ne doivent pas faire l'objet de publications. On est tous d'accord là-dessus, sauf s'il y a quelqu'un peut-être qui n'est pas d'accord. Et Moi, je suis c'est dans cette logique-là d'accord. Moi, que je suis d'accord. je suis sorti, voilà, loin de ceux qui pensent que peut-être parce que j'aurais des acquaintances avec Nicole. Non, le combat n'est même pas au niveau de Nicole. Mais c'est au niveau de la femme, parce qu'on doit protéger la femme. Tout simplement, laissons même que c'est la maman de Nicole personnellement, mais c'est la femme qu'on doit protéger. Au nom de quoi on va exposer la sérologie de quelqu'un? Au nom de quoi? Nicole a fait quoi de grave que Flore Delisle là même n'a pas encore fait? Nicole a fait quoi de grave que le putois Ducamain n'a pas encore fait? Ducamain qui joue les lèches-culs là-bas. Il n'a pas insulté Flore Delisle. Ducamain n'a pas dit sur un plateau gabonais, notamment, comment on appelle ça, Mich Event, que Flore Delisle a appris aux Camerounaises à faire l'amour. Ça, ce sont les paroles de Ducambindo. Un putois. On peut dire qu'il est très mal placé. Ils sont très mal placés pour faire la morale à Nicole. Parce que hier, Nicole a fait du sale pour elle. C'est très récent. C'est très récent. Nicole a lavé la reine mère bio ici. Patricia May était les premiers clients. Lolo a suivi. Mais sauf qu'elle a duré sur Lolo. C'est pour ça qu'on a vite oublié le passage de la reine mère bio et Patricia May. Mais à cette époque, ça arrangeait Flore Delisle. Flore Delisle avait les pertes de mémoire à cette période-là. Voilà, pour se rappeler que Nicole Kétia devait aller chercher sa vie, devait s'occuper de son enfant. Là, ça l'arrangeait. Et comme par hasard, comme Nicole Kétia a dit qu'elle ne joue pas la carte du tribalisme, Flore Delisle s'est rappelé que Nicole Merci. Kétia vient d'arriver. Il faut que, voilà, elle prenne soin de son enfant. Il faut qu'elle prenne sa vie en main. En bon? Ah bon? Merci. Merci de le préciser. Ah bon? Parce que les gens réfléchissent sur la toile contre moi. Est-ce que vous pensez? Tout le monde n'est pas mouton comme Ducambindo et toute la bande là. Les idiots de service et les idiotes de service. Les gens qu'on utilise pour la circonstance. Flore Delisle, ça fait plus de un an qu'elle n'est pas partie sur la page du putois Ducambindo. Elle ne connaît que ce gars-là quand elle a les problèmes. Mais quand Flore Delisle va bien, elle ne connaît pas le putois. Elle ne peut jamais lui faire le plaisir de monter dans son live. Ça fait plus de un an. Moi, je suis très attentif, hein. Les détails qui sont importants pour moi. Ça fait plus de un an que Flore Delisle n'est pas montée dans un direct où le putois apparaît. Sauf quand elle est en difficulté. La dernière fois que Flore Delisle est montée sur la page du putois, c'est l'année passée. Et Flore Delisle était en litige avec Edith Camden, la milliardaire. Elle est montée sur le live du putois pour régler ses comptes à Edith Camden. Ou c'est Camden, je ne sais même plus comment dire. Comme pour vous dire que les détails sont importants. Et moi, je suis très attentif. Donc, cette saleté de service que Flore utilise comme tampon, quand elle est en difficulté, ne comprend rien. Un traître. Et je suis sûr que Nicole Kétia est plus loyale que cette saleté de Ducamer. Parce que Nicole, quoi qu'on dise, a beaucoup respecté cette femme. Nicole a beaucoup évité Flore Delisle. Respecte encore, hein. Mais maintenant on va lui mettre le feu au cul Voilà. qu'elle montre son vrai visage. Elle a insulté un de mes bio sans retenue. Moi-même, apparemment, bon, oui, je reconnais sans retenue, mais moi j'ai fait qu'elle Pense que fasse moi la j'ai même chose. intervenu. C'était le clash entre Flore et Nicole. Moi, j'aurais pas perdu les minutes de ma vie à venir m'y intéresser. Je vais laisser voilà, ma pauvre vie, voilà, venir m'intéresser à un clash de deux adultes. C'est parce que la maman là a été attaquée que j'ai pris position. C'est d'ailleurs C'est pas pourquoi moi pour je les suis. beaux yeux de Flore ou La bien les femme, beaux yeux c'est de d'ailleurs Nicole. pourquoi moi je suis sortie, cette maman. Voilà. Donc, les clashs, les histoires où on insulte les parties intimes, moi je ne suis pas dedans. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai toujours des bonnes raisons de m'attaquer à quelqu'un. Et quand je m'attaque à toi, c'est parce que j'ai des bonnes raisons de le faire. La Et quand je femme. me trompe, je m'excuse.
Ah, femme, Oui, je suis. la maman de Nicole n'y va pas de même mort dans ce truc, mais c'est Nicole qui va avoir un mental.